compliment exagéré que Michel a fait de moi, parce que c'est vrai qu'il y a un certain dépit, on est un peu programmé pour se battre, et après quand on arrête et qu'on ne se bat pas, on continue, mais j'ai une confiance totale, une confiance absolue dans les trois suivants de Michel. Et ça, le dépit que je ressens est largement compensé par la confiance que je mets dans les personnalités des unes et de l'autre, et parce que je sais qu'ils ont compris la vraie motivation. La vraie motivation, c'est pas uniquement arriver au conseil. On n'en a rien à glander d'être au conseil. On n'en a rien à faire d'être au conseil, si ce n'est pour rendre service à nos compatriotes. Alors, on apprend en baroudant, on apprend en étant solidaires les uns des autres, et on apprend surtout en regardant ce que font nos camarades de combat, et en regardant d'abord ce qui se fait à Blois, plutôt que de regarder ce qui se fait ailleurs. Et ça, la grande leçon, elle est là, c'est que c'est ici et maintenant que les choses se font, même si elles ne sont pas avec 43-45%, c'est ici et maintenant que les choses se font, et ailleurs, si c'est bien, tant mieux, mais c'est ici et maintenant que ça se passe, donc on l'a bien réussi notre coup, et je vous dis pas bon courage, parce que je sais que vous l'aurez, mais ça sera sympa. On va continuer. Bravo.